J'ai grandi dans des HLM à Toulouse, dans les quartiers. J'avais la chance de pouvoir aller en campagne quand même les week-ends et vacances. Ma mère est originaire du Gers, un milieu bien rural. Je ne sais pas si ça a participé, mais j'avais déjà les bases de savoir ce que c'est que de se balader dans les bois. J'étais en CDI en usine et c'était les débuts de l'obsolescence programmée. J'ai découvert ça. Et en le pas le dénonçant, mais en l'exprimant à mes responsables qu'on laissait passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts, on m'a bien signalé qu'il fallait faire tourner le service après-vente. Donc là, ça a été une prise de conscience. J'ai décidé de reprendre mes études pour pouvoir quitter ce milieu-là, ou en tous les cas, au départ, pour pouvoir devenir responsable, pour pouvoir changer ces décisions-là. Donc j'ai passé mon bac en cours du soir. Et je suis rentrée dans une filière économie sociale et solidaire, développement local. Je pense que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis de prendre conscience de comment fonctionnait le monde sur une base de système économique. Ça m'a paru, j'allais dire inhumain, mais j'allais dire peut-être maintenant tellement humain. Et j'ai décidé de continuer dans ces études-là, d'étudier le capitalisme pour créer de l'alternative. En stage, je suis partie en Ardèche sur un lieu qui s'appelle le hameau des Buis, qui était une construction d'un éco-hameau. Je suis tombée dans un autre monde. Des gens pas du tout à la recherche du profit, recherche du bien-être, recherche de l'autonomie, de l'entraide. De là, je suis allée faire un petit tour à Terre et Humanisme, un centre d'agroécologie qui fait la promotion de l'agroécologie. Et ça m'a plu d'apprendre à semer, à m'occuper d'un jardin. J'ai découvert avec des gens passionnés, extraordinaires. Je crois que ce qui m'a fait le déclic, c'est les couches chaudes avec du fumier de chèvre. De pouvoir faire de la chaleur avec des excréments. Waouh! Voilà, ça, c'est le top du truc simple, en fait. Et puis ma vie, elle a, ouais, je pense qu'elle a changé à ce moment-là. J'ai lâché l'université, j'ai pris un camion. Je suis rentrée, je vivais dans le Tarn, je suis allée tout vendre, tout ce que j'avais. Et j'ai décidé de passer mon temps à apprendre les jardins de façon bénévole. C'est comme ça que je me suis formée, dans les rencontres de ferme en ferme. J'ai eu l'occasion de faire une année de maraîchage bio en Provence. Je remercie Robert, un patron extraordinaire qui m'a réconciliée avec le salariat, qui m'a montré qu'on pouvait faire aussi du productif, de nourrir les gens. Sans traitement chimique, quoi. En employant des gens. On était 4 salariés. L'échelle de l'entreprise m'intéressait pas. Mais c'est aussi possible. Et de respecter son personnel, de faire des légumes superbes, de fournir la ville, on fournissait Marseille. Et puis ensuite, je suis retournée faire une petite année de salariat à Terre Humanisme pour me perfectionner et puis pouvoir commencer à transmettre. Voilà, ça m'a plu, de sensibiliser peut-être. Je sais pas si c'est transmettre, c'est plus sensibiliser. Ce qui m'est arrivé à moi, de découvrir le vivant, en fait, de pouvoir le transmettre, le partager comme je l'ai reçu. À d'autres, j'ai trouvé ça logique. Et ensuite, j'ai eu très envie d'utiliser ce camion qui bougeait plus trop. Et je suis partie pendant des années faire du bénévolat de ferme en ferme, à soutenir des projets d'installation en maraîchage. Et du coup, il fallait tout créer. Et je partais lancer la production de plants. Je continuais à me perfectionner. Puis une fois que c'était lancé et planté, hop, je partais ailleurs. Et un jour, je me suis dit que le bénévolat, c'était fait, ça y est. Et qu'il était temps d'être grande. Bon, Lombric a été créé dans le 44. Là où j'étais, c'est une zone de maraîchage intensif avec on enlève les talus, on enlève le sol. On crée des carrières pour cultiver sur du sable avec des végétaux qui sont nourris au goutte à goutte par des produits chimiques dans des immenses et magnifiques hangars. Il y avait deux démarches. Une, envie de découvrir le Finistère qui me parlait depuis longtemps et quitter cette zone-là. C'était trop dur pour moi et j'ai plus l'âme militante. Et du coup, l'idée, c'est ici de planter. Planter de la vie. Planter de la vie et pourquoi pas en faire un support pédagogique avec des ateliers sur le jardinage au naturel et la découverte du sol vivant. Lombric et compagnie, c'est vrai, créé, je pense, dans l'envie de faire et comment ça pouvait devenir mon activité principale. Et par ce biais du plan, comment toucher au cœur les gens, comment leur faire redécouvrir ou découvrir
le sol, un être vivant qui est une plante. Et ça marche. Mon métier, au niveau de la MSA, c'est reproduction de plantes. Ça me va très bien. Pour une fois où dans l'administration, il y a une case qui me convient, celle-là, je la coche avec plaisir. Ça répond à mes besoins d'être proche de l'eau, mais pas trop, pour éviter toute la densité de population. C'est boisé, ça reste boisé. Et aussi la curiosité, justement, découvrir les gens, la rencontre des gens. J'ai eu la chance vraiment de séjourner ou de vivre dans plein d'endroits en France. Je trouve une richesse humaine extraordinaire. Et je suis venue voir la richesse ici, cette richesse-là. Et waouh, waouh. Je viens de débarquer et le soutien, il est là spontanément. Voilà. Spontanément, on me propose un terrain, ce qui est difficile à acquérir, des terres agricoles, surtout pour une petite surface d'un hectare, boisée, avec de l'eau, très bien exposée. Je cantonne les ouvertures le mercredi après-midi, les samedis matin et dimanche matin. J'ai de l'aide, mais principalement je suis toute seule. Donc je vais dire, la priorité n'est pas de vendre, si, parce qu'il faut qu'il soit planté, c'est le but. Mais la priorité, c'est de m'en occuper. Là, ça fait une semaine que c'est ouvert et c'est les voisins qui viennent. Et ça, pour moi, c'est génial. Déjà parce que ça me permet... Ils viennent, je n'ai pas à me déplacer, ce qui est pas mal. Et je pense qu'ils reviendront. Et ils reviendront, que ce soit pour acheter ou pas, pour venir se poser, faire un pique-nique, pour venir aider aux plantations, pour venir se fournir en plants, pour venir chercher des conseils, pour en partager. Je ne me crée pas une activité, je me crée mon lieu de vie, ma vie en fait. Voilà, l'endroit dans lequel j'ai envie de passer le plus clair de mon temps, quoi. Jusqu'à maintenant, je travaille avec deux réseaux de semenciers paysans. Il n'y a aucun hybride, forcément. Donc, tous ces végétaux, toutes les graines issues de ces végétaux permettent de reproduire ces végétaux. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce métier. Parce que j'ai découvert l'année de licence, le brevetage sur le vivant et l'appropriation des semences par un organisme qui ne mérite même pas qu'on cite le nom. De plus en plus, je vais me rapprocher des producteurs de semences locales et aussi faire les miennes. Entre nous, il n'y a pas de concurrence. Entre nous, il n'y a que de la complémentarité et de l'entraide. C'est un métier extraordinaire pour ça. On utilise le mot hybride, mais il est faussé, dans le sens où, bien sûr, que la nature, elle se développe justement grâce à ça. Et elle se renforce. Et les végétaux, dans tous les cas, se renforcent et peuvent continuer à survivre et dépasser les maladies suite au manque d'eau, au changement climatique. Mais moi, le mot hybride que j'emploie au niveau des semences, c'est tu achètes une semence sur laquelle il y a noté F1, tu sèmes, tu plantes ton végétal, il monte en fleur, tu récupères la graine, mais la graine, tu ne peux pas la ressemer. Parce que ça a été trafiqué de façon à ce que tu ne sois pas autonome et que tu reviennes racheter des semences. Mais moi, en fait, c'est l'inverse. Chaque client jardinier qui vient, à chacun, je leur dis, ce végétal, tu peux le laisser monter en graine, tu peux récupérer les fleurs. Et en plus, il sera adapté à ton potager. Donc, devenons autonomes, quoi. Je crois que c'est une problématique internationale. Donc, j'ai pas de pierre à jeter. Il y a une histoire d'après la Seconde Guerre mondiale qui a entraîné énormément d'agriculteurs dans des pratiques, je suis désolée du mot, et qui sont difficiles à entendre, je pense, pour eux aussi. Qui sont des pratiques de mort, en fait, qui tuent le sol, qui tuent les insectes, qui les tuent eux-mêmes. Pour moi, c'est toujours très triste quand je vois passer des tracteurs avec des immenses machines. J'entends que derrière, il y a un être humain qui a une activité. Je pense que quand il se pose pour réfléchir ou quand... Je suis pas sûre que c'est vraiment le métier qu'il avait envie de faire, quoi. Pour avoir la capacité de remise en question entre les endettements, les contrats, les engagements et la patience de pouvoir retransformer ce sol en vivant, ça peut être très rapide. Et je pense qu'on ne leur dit pas. On ne leur enseigne pas ça. On n'enseigne pas ça à l'école. J'ai la chance de côtoyer des jeunes à l'installation en maraîchage qui passent par des BPREA qui n'ont aucun cours sur le sol.
Moi, je trouve ça hyper intéressant. Tu cultives des plantes, mais tu ne sais pas ce qu'il y a comme vie dans ton sol. Wow. Dans la formation, ce sont des lobbies, les banques, les chimistes qui viennent leur faire des cours. C'est hyper intéressant. Ça, c'est en train de changer. Dans mon caractère très directif, nous sommes en Finistère. Je vous partage que la tomate n'a rien à faire dans ce secteur. Malgré le fait que la Bretagne soit le premier producteur de tomates en France, tous les végétaux ont des besoins. Et si on y répond, ils donneront à manger ou des fleurs. Ils s'épanouiront. Et par exemple, la tomate ici, c'est pour moi une aberration de cultiver de la tomate. On est obligé d'utiliser des magnifiques plastiques. Bien sûr, on peut faire de la récup de verre, pas de souci. J'entends très bien que ce fruit peut être délicieux. J'entends aussi et surtout, et je n'entends quasiment que ça, les déceptions. Et depuis que je suis arrivée en Bretagne, la Loire-Atlantique 44 se déclarant être en Bretagne, je n'entends que des déceptions au niveau des tomates. Ben, il y a des centaines d'autres légumes. Faites pousser autre chose. Parce que le reste, ça fonctionne. Les choux, les poireaux, les oignons, les betteraves, les salades. Ouais, c'est moins sympa apparemment au goût. Tu vois, tu me demandes si j'ai un message à passer. En fait, ça tourne tout autour de, je pense, d'un seul mot qui s'appelle la biodiversité. Bio, ça veut dire vie. Donnons à manger à tous ces millions, milliards d'êtres vivants qu'il y a sous terre, des bactéries, des champignons qui permet aux plantes de vivre, en fait. Sur tous les lieux dans lesquels j'ai été, c'était abondant de végétation. Et la maladie, elle n'y est pas. Et une maladie, c'est pas la mort. Une maladie, c'est une maladie. Et une plante, elle est capable d'être malade. Et elle est capable de survivre à la maladie parce qu'elle trouve dans le sol de quoi enrichir son système immunitaire. Voilà, ça c'est peut-être aussi un message important.